Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo facecam à l'arrache, juste pour vous souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux Noël, peut-être un bon réveillon du jour de l'an parce que je sais pas si je ressortirai une vidéo entre deux, ou alors peut-être mais ce sera une vidéo que j'ai tournée il y a 11 ans, peut-être la suite du let's play de Spider-Man, je sais pas quand est-ce qu'on va réussir à le finir celui-là, mais donc voilà, ce sera peut-être une vidéo comme ça mais ce sera pas une vidéo que j'aurai tournée là je pense. Donc voilà, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes, comme d'habitude, profitez bien de votre famille, de vos amis, de la bouffe, parce qu'on va sûrement bien bouffer, et surtout faites pas les cons sur la route, parce que tous les ans il y a des morts, et je pense que votre famille, elle a pas tellement envie de, voilà, qu'à la fin du repas, vous arriviez pas entier chez vous, ou même pas du tout. Donc faites pas les cons sur la route, si vous avez picolé, prenez pas le volant, hein. Voilà, bon, je suis pas là pour donner des leçons, mais faites pas les cons, en tout cas. Vous êtes 120 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je tenais à vous remercier pour cette année, là, mon arrivée sur YouTube. J'ai toujours le fauteuil qui grince, ça je verrai quand je vais déménager, je suis dans les cartons. Du coup, je voulais vous remercier, parce que quand j'ai quitté Dailymotion pour arriver sur YouTube, j'avais pas spécialement une communauté derrière moi sur Dailymotion. Enfin, j'avais quelques personnes, mais pas une grosse communauté. Et d'arriver sur YouTube, comme ça, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et puis, en fait, vous êtes 120. Alors, ça peut paraître ridicule, 120. Mais moi, quand on a passé la barre des 100, j'ai été super content. Si on pouvait atteindre celle des 200, ce serait vraiment génial. Mais voilà, moi je cherche pas à devenir une star, moi je vise pas les 20 000, 30 000, 40 000, voilà, ça me paraît tellement compliqué. Après, si ça doit arriver un jour, bah mais ce sera très très bien et je serai très content et je bosserai encore plus pour ça. Mais si déjà on arrivait à la barre des 200, ce serait vraiment, vraiment génial pour moi déjà. Donc je tenais à vous remercier pour les personnes qui sont là, parce qu'en plus je sais que j'ai pas un discours forcément très nuancé et qui va dans le sens de la majorité. Très souvent, je suis pas... Je suis pas dans le sens de la majorité, et il y a aussi pour beaucoup de choses où c'est un peu la guerre et tout, où j'alimente pas cette guerre. Moi, justement, je suis un peu... Bah, comme j'ai PC et console, par exemple, la guerre des consoles, le PC c'est mieux et machin et tout, déjà, je suis pas d'accord. Par exemple, après la guerre de la Xbox, la PS4, le machin, j'ai les deux, donc je suis pas d'accord non plus, je suis pas dedans non plus. Et puis mes discours, par exemple, que j'ai tenus dans la vidéo sur le PSVR, que j'ai... Voilà, mais je pense toujours la même chose, maintenant qu'il est sorti. J'attends toujours qu'on me prouve que ça vaut le coup de mettre 400€ dedans, parce que jusqu'ici, les gens qui m'ont dit ça, quand je leur ai demandé de me prouver avec quel jeu et comment, ils m'ont jamais répondu. Là, ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, j'attends qu'on me le prouve. Moi, pour l'instant, à part Robinson, je vois pas de jeu qui mériterait de mettre 400€ là-dedans. Ça arrivera peut-être, mais pour l'instant, j'en vois pas. Et j'ai vu plein de gens qui se sont jetés dessus à la sortie. Aujourd'hui, ils s'en servent même plus, quoi. Donc voilà. Bref, je sais que j'ai un discours qui plaît pas forcément à tout le monde, qui est pas très nuancé, qui est souvent à contre-courant. Je dis les choses comme je les pense, je me cache pas. Voilà, donc je vois que ça plaît quand même à certaines personnes, je vois qu'il y a quand même des personnes qui réfléchissent avant de se jeter sur tous les trucs. Je vois qu'il y a des personnes qui achètent pas tous les DLC qui sortent, les costumes, les machins et tout, qu'on vous fait payer une blinde pour de la merde. Donc il y a encore des gens qui réfléchissent quand même, qui se jettent pas sur tout comme ça, donc c'est bien. Je vous remercie en tout cas de suivre mes vidéos, à ceux qui commentent, à ceux qui les regardent, à ceux qui mettent des pouces. J'en parlerai un jour, ce système de pouces que j'aime pas, moi perso, que ce soit des pouces bleus ou des pouces rouges, on va dire, des négatifs et tout, j'aime pas ce système de pouces. Il permet pas de s'améliorer et de savoir ce que les gens pensent réellement. Et puis, bon, avec l'anonymat d'internet, il y en a qui en profitent, qui viennent mettre un pouce sans regarder les vidéos, donc bon, voilà. Ça permet pas vraiment de régler les problèmes quand il y en a dans une vidéo, je trouve ce système, c'est pas terrible. Bref, j'en parlerai un autre jour. Donc voilà, j'ai fait le bilan, je vous fais un petit bilan de cette année, bah pour moi elle était bonne, hein. J'ai fait ce que j'aimais, j'espère commencer mieux la 2017 que la 2016, parce que bon, je vous donnerai pas de détails, mais la 2016, en fait, à partir du 2 janvier, j'ai été à l'hôpital pendant 10 jours, et j'ai failli y rester, donc j'espère que la 2017 va mieux commencer, hein. Et puis après, au niveau professionnel, quand je me suis remis, on va dire, de ce stage à l'hôpital, j'ai travaillé à partir du mois d'avril.
J'ai travaillé jusque là au mois de novembre, même presque décembre, non-stop. Là, malheureusement, j'ai plus de boulot en ce moment. Mais avec les fêtes et tout, c'est un peu compliqué. Donc on verra après les fêtes. Je retrouverai sûrement quelque chose, j'espère, le plus vite possible. Parce que j'ai eu une période dans ma vie où ça me faisait un peu chier, en fait. Je préférais faire... J'avais d'autres projets et tout. Et puis là, d'avoir retrouvé des bonnes places dans des boîtes correctes et tout, ça m'a donné envie de me remettre dans mon métier de base. Donc du coup, j'espère retrouver une place dans la maintenance ou comme régleur ou voilà, parce que c'est ce que je fais à la base. Donc j'espère retrouver une place vite après les fêtes. Et puis aussi parce que financièrement, c'est mieux d'avoir du boulot que d'être au chômage, hein, parce que je perds 500 euros à peu près. Voilà. Donc c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, surtout ne faites pas les cons sur la route, ça c'est important. Si vous picolez ou quoi, moi je vais peut-être boire un petit coup le 24, je vous le dis, hein, donc c'est pas moi qui vais conduire au retour, ça c'est sûr. Donc faites pas les cons, voilà, même quand vous avez pas beaucoup de route ou quoi. Ouais, excusez-moi. Évitez de faire les cons sur la route, tout simplement. Il va y avoir un petit moment creux parce que j'ai bien vu qu'en janvier, apparemment, de ce que j'ai regardé, il n'y a pas énormément de sorties. Ou alors j'ai raté quelques trucs, mais de ce que j'ai vu là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de sorties. Donc on finira le let's play de The Amazing Spider-Man, on essaiera de le finir. J'en ai tourné un autre sur un autre jeu, donc peut-être comment je commencerai à le poster. Et puis... je ferai peut-être des petites vidéos comme ça, par exemple pour vous parler du système de pouce, de ce que j'en pense. Et pour vous parler de 2-3 petits trucs comme ça, j'aime bien faire ça de temps en temps, quand il n'y a pas trop de jeux ou quoi qui sortent, faire des petites vidéos un peu sur ce que je pense. Bah souvent je me prends l'armée de pouces rouges, hein, généralement, parce que ce que je pense c'est toujours un peu dur et c'est pas en adéquation avec ce que la majorité pense, très souvent. Mais bon, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de continuer comme ça. Moi, je fais ma chaîne pour moi, à la base. Donc, je vais pas me cantonner à un format et à faire comme les autres et être gentil, et voilà, quand j'ai pas envie. Tout simplement. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Passez de bonnes fêtes. Bouffez bien, surtout, du bon foie gras et plein d'autres trucs, hein. Profitez de ce que la vie peut donner de positif. Parce que c'est pas toujours le cas. Et... on va chialer, là. On va chialer. Et puis, non, profitez, surtout. Et on se retrouve après les fêtes. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.